Joël, pour ce deuxième temps, je vous propose qu'on aborde déjà tout de suite quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je vous ai écouté. C'est cette distinction que vous faites entre l'homme augmenté et l'homme symbiotique. Oui, c'est une distinction importante qui est par étapes. En fait, il y a l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. Et dans l'homme augmenté, il y a l'homme symbiotique et l'intelligence auxiliaire, comme je l'appelle maintenant, plutôt que l'intelligence artificielle. Alors reprenons les étapes. L'homme réparé, c'est la chirurgie. La chirurgie des os, la chirurgie cardiovasculaire, on répare quelque chose, on fait de la plomberie, excusez-moi ce terme, on fait des opérations, on découpe, on enlève, on remet. L'homme transformé, c'est qu'on rajoute dans le corps des choses qui n'existaient pas. Par exemple, un pacemaker pour rétablir le rythme cardiaque, c'est un outil extérieur qu'on met dans le corps. Donc on transforme l'homme, on transforme l'humain. Et même certains veulent aller encore beaucoup plus loin. Les transhumanistes, que je critique par leur idéologie transhumaniste, qui est élitiste, qui est égoïste et qui est en fait beaucoup plus axée sur l'individu que sur la collectivité, l'homme transformé, c'est au-delà de l'homme transformé, l'homme augmenté. Et cet homme augmenté, il faut qu'on s'en méfie sur un plan éthique et philosophique, parce que c'est peut-être le surhomme, c'est une vision élitiste de ceux qui pourront se payer les outils qui augmenteront leur cerveau, augmenteront les fonctionnalités de leur corps. Et donc, il faut faire une grande différence en cela. Mais dans cet homme augmenté, tel que moi je ne le vois pas sous un angle transhumaniste du tout, je le vois sur un angle que je qualifie de hyper-humaniste, c'est-à-dire être encore plus humain. Encore plus humain, ça veut dire utiliser par exemple ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, que j'appelle l'intelligence auxiliaire, pour augmenter les capacités de notre cerveau. Et comment? En symbiose, justement, avec l'écosystème numérique. Rappelez-vous, il y avait un truc qu'on appelait jadis Internet. Internet, c'est un outil de communication, mais qui s'intègre dans un écosystème numérique dans lequel nous sommes branchés en permanence par notre smartphone et les outils mettables, et pas seulement les outils portables, qui vont remplacer les outils portables qu'on doit interroger pour poser une question. Donnez juste un exemple d'outil métab. Alors, l'outil mettable le plus simple et le plus compréhensible, c'est une À montre connecter. augmentée. C'est-à-dire D'accord. une montre qui est en contact avec la peau et qui, en étant en contact avec la peau, extrait du corps humain un certain nombre de paramètres sur votre santé que vous D'accord. pouvez lire sur l'écran ou transposer sur votre smartphone. Qui participe à la quantification de soi. Voilà, par exemple. Donc, il y D'accord. a des boutons de colle, des ceintures, des semelles de D'accord. chaussures qui sont des systèmes augmentés qui vous permettent d'extraire de votre corps des informations et les transmettre sur l'écran de votre smartphone qui devient en fait le tableau de bord santé personnel. Donc, le tableau de bord personnel vous permet de voir ce que votre corps ressent, ce qu'il exprime de bon ou de mauvais pour votre santé, et de transmettre ça par un clic à votre médecin. Donc c'est ça les outils mettables qu'on va avoir de plus en plus. On va vers ce que j'appelle le laboratoire personnel, extraire des informations de sa santé, ou le tableau de bord personnel santé, TBSP, tableau de bord de santé personnalisé. Donc on va vers ça, tous les GAFA travaillent là-dessus, ils produisent des outils qui vous permettent de mesurer des informations, parce que leur but, à eux, c'est plus seulement de vous vendre de l'information avec des moteurs de recherche, c'est vous de vendre de la durée de vie. Tous les GAFA sont là-dessus. Et c'est pourquoi les transhumanistes, beaucoup de patrons des GAFA sont des transhumanistes, Ray Kurzweil et d'autres. Donc ils veulent vous vendre pas seulement de l'information, mais de la durée. Vivre plus longtemps. Merci. Alors, nous évoquions cet homme augmenté et cet homme symbiotique. Il y a aussi trois autres thèmes qui vous sont chers. Il y a d'abord l'épigénétique, et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez quelques mots dessus. Quelques mots, j'allais dire, didactiques, parce qu'on a un public qui n'est pas toujours très au clair sur les dimensions et de l'épigénétique. Et je crois que vous avez une très très belle métaphore pour expliquer Oui, l'épigénétique. je vais essayer. Donc, épigénétique, reprenons le terme. Épi veut dire par-dessus. Un épiphénomène, c'est au-delà du phénomène qu'on observe. L'épigénétique, le terme a été créé par Waddington en 1949, donc ça remonte déjà assez loin. Il y a eu tellement de publications aujourd'hui qui prouvent ce que c'est. L'épigénétique, c'est un métaprogramme par-dessus la génétique qui contrôle l'expression des gènes. C'est comme un rhéostat, plus fort, moins fort, éteint, allumé. Donc l'épigénétique, c'est la possibilité de contrôler l'expression des gènes par le comportement, la nutrition, l'exercice modéré, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et l'harmonie du réseau familial, social et professionnel. Ces cinq éléments combinés tous les jours produisent dans votre corps des molécules qu'on connaît très bien maintenant qui vont aller dans le noyau des cellules, ouvrir, fermer comme un rhéostat, je le disais, allumer, éteindre les gènes.
C'est l'expression des gènes qui est modifiée par l'épigénétique et donc par notre comportement. C'est donc un outil de responsabilisation des humains sur leur santé et sur le ralentissement du vieillissement. C'est ça l'épigénétique. Donc ça conforte l'idée que d'être dans des écosystèmes positifs, être dans soutenant, solidaire, de pouvoir avoir une hygiène de vie, un rythme de vie de qualité, tout ça contribue à une qualité globale de l'être finalement. Oui, pour l'individu. Ouais, pour l'individu. Et moi j'ai essayé d'aller plus loin. Dans mon livre La Symphonie du Vivant, j'ai parlé de l'épimémétique. Alors l'épigénétique traite des gènes, et de l'expression des gènes, l'épimémétique traite des mèmes. Les mèmes, ce sont des gènes sociétaux, inventés par Richard Dawkins, un grand biologiste anglais. Les mèmes, c'est des gènes culturels transmis par la culture, par la télévision, par les réseaux sociaux, par les tweets de M. Trump. Un gène très célèbre, c'est MeToo, hashtag MeToo, c'est un mème. Ce mème, il a été transmis des millions de fois dans le monde entier, et il a conduit quoi? Il a conduit les politiques à modifier l'ADN sociétal. Donc l'ADN sociétal, c'est la promulgation d'une nouvelle loi pour protéger les femmes du harcèlement sexuel dans la rue, ou augmenter la parité homme-femme dans les entreprises. Donc voilà comment un mème, comme un gène, mais un mème sociétal, peut conduire à la modification de l'ADN sociétal. C'est ce que j'ai essayé de dire dans la deuxième partie de mon livre. Il y a l'épigénétique, mais aussi l'épimémétique, qui est la possibilité de modifier l'ADN sociétal par notre comportement collectif. Les valeurs qui sont en train d'être abandonnées aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de réactions massives sociétales, ces valeurs vont devenir, comme je le disais tout à l'heure pour le manager d'une entreprise digitalisée et dans laquelle les gens veulent être de plus en plus indépendants, transformant l'entreprise en une sorte de coopérative d'indépendants. Ces valeurs vont être fondamentales pour créer quoi? Du lien social, du lien humain. Ce n'est pas seulement le management program and control traditionnel, on programme les gens, on contrôle s'ils vont dans la bonne direction, on les récompense ou pas, on les réprimande. Mais ce n'est pas seulement ça, ce sont d'ajouter des valeurs pour créer du lien. Créer du lien va être la clé du management des coopératives d'entrepreneurs de demain, des entreprises coopératives d'indépendants. Les jeunes du millennial, s'il y avait 10 ans au tournant de l'an 2000, on les interroge, la hiérarchie, ça ne les intéresse pas du tout. Le petit chef au-dessus de votre tête qui vous dit ce qu'il faut faire, alors que quelquefois eux-mêmes savent mieux ce qu'il faudrait faire que le petit chef au-dessus de leur tête, ne sont pas pro-hiérarchie verticale. La solidarité, la générosité, le partage, le win-win entre les gens, beaucoup plus que la compétitivité, de piquer le job de quelqu'un. Ça les intéresse moins maintenant que de ensemble co-créer. Je pense que la création collective va devenir, avec la co-éducation, ces deux termes j'y tiens énormément, un des grands enjeux grâce à l'Internet de demain et à l'écosystème numérique dans lequel nous entrons en connexion permanente.